Donc, j'ai effectivement pris la réponse 3. Bravo, bravo à ceux qui ont répondu 3 exactement. Vous avez trouvé la bonne réponse. Je vous félicite. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je... Voilà. Aujourd'hui, c'est tout pour une nouvelle vidéo. Et on va parler sneakers. Enfin, ça fait des centaines d'années, oh, que j'ai pas fait de vidéo sneakers. Va là-bas. En tout cas, je me suis dit, je vais me faire plaisir parce que c'est vrai que des fois, bah, on se dit, on se prive, mais au final, bah, l'argent que tu aurais pu mettre dans les baskets, bah, tu le mets ailleurs. Si tu manges 5 fois McDo, je pense que c'est quand même aller la moitié d'une paire de Nike. Je dis pas Balenciaga ni autre marque parce qu'on va me dire, ouais, ça dépend quelle paire de chaussures. Et ben, je dis Nike. Voilà. Pourquoi ils sont en train de crier là? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la paire. Et en tout cas, je vais vous montrer l'allure de la chaussure portée. Et je vais vous montrer aussi quel produit j'utilise forcément pour entretenir mes baskets. Alors, du coup, la première chaussure que je vais vous présenter, c'est une paire de Fenty. C'est une paire que j'ai achetée en Allemagne. C'est même pas une paire, pourquoi je dis une paire? Est-ce que les claquettes, c'est une paire de chaussures? Ben non, c'est pas une paire de chaussures, pourquoi je dis une paire? Bon, c'est là dans la boîte, donc en tout cas, c'est une paire. Et du coup, c'est une paire de claquettes de la collection Fenty de Rihanna. Et si je vous dis le prix auquel je l'ai chopé, vous allez serrer. Je mettrai le prix juste là, je le dis même pas. Vous allez dire, oh, sérieux? Non, moi aussi, je vais aller en Allemagne. Pour la petite histoire, je suis partie en Allemagne le week-end dernier. D'ailleurs, j'ai filmé un vlog, vous le verrez. Et quand je suis rentrée dans la boutique Puma et que j'ai vu ces belles chaussures. Oh, c'est... Pourquoi je dis chaussures tout à l'heure? Les claquettes, bah, c'est les claquettes classiques. Hein. Bon, je vous dis le prix, 20 euros. Elles m'ont coûté 19,50 euros en Allemagne. Sachant que c'est des claquettes qui coûtent hyper, hyper cher. Moi, je vois sur Insta et tout, sur les sites, 40 euros. J'ai pris ce cash, j'ai même... Est-ce que j'ai douté même? Je l'ai prise en 35,5. Je les ai jamais vues de près en fait. Et je vois que bah, sur le talon il y a marqué Fenty by Rihanna. Donc ce sont des vrais, c'est pas des fausses. D'ailleurs je vous confirme, je les ai pris à la boutique Puma, pas au marché. Fenty Beauty. Voilà. Et on voit bien l'écriture by Rihanna sur le carton. Même en travaillant en Citadium, je les ai jamais vues. En tout cas on les a jamais eues. Et franchement elles sont belles hein, c'est vrai. Le talon il est très très solide. C'est pas les petites claquettes comme les Adilettes ou les petites c'est pas les petites claquettes Nike non plus qui coûtent 35 euros. Je pense que pour le coup franchement j'ai fait une bonne affaire. Et bien sûr dedans la petite pochette Fenty pour les mettre dedans. Ensuite j'ai pris une paire de Nike sur le site Nike.fr. Et d'ailleurs je vous le dis, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait vous avez moins 10% aussi sur le site Nike. Il suffit juste de vous inscrire sur une plateforme. J'ai oublié le nom, je vais vous mettre le nom juste là. Vous vous inscrivez, vous identifiez avec vos identifiants et mots de passe de votre faculté et vous avez moins 10%. Franchement moins 10% c'est pas négligeable hein. Sur Nike, même moi je suis là à gratter des moins 20 et des moins 30. Donc j'ai pris, à votre avis, avant de voir, mettez sur pause et mettez-moi en commentaire. À votre avis, quelle paire j'ai pris de Nike? SD Air Force One, hein? SD Zadilet, des claquettes Nike 2. 3. Est-ce que c'est des Vapor Max? Non, on peut pas Vapor Max. Qu'est-ce que j'ai? 3. Est-ce que c'est des Techno? La réponse dans quelques instants, mesdames et messieurs. Donc j'ai effectivement pris la réponse 3, bravo, bravo à ceux qui ont répondu 3 exactement. Vous avez trouvé la bonne réponse, je vous félicite, vous êtes les meilleurs quoi. Donc j'ai pris la paire de Techno qui est ressortie encore une fois et c'est la Techno Pink Faux Âme. Et malheureusement je l'ai prise en 37,5. Et il s'avère qu'elle taille très grande. Donc en gros je vous conseille de la prendre en 36,5 parce que moi elle me va un tout petit peu grande, mais bon, comme j'ai des petites talonnettes, ça risque d'aller. Alors, concernant la paire de chaussures, c'est un mélange entre nubuck et cuir. Et ouais, t'as vu? Elle tue, hein? C'est quoi? 100 euros. C'est des Techno Foam, ouais. Elles sont calmes, non? T'as vu? Elle tue, je les ai pas encore portées.
Donc concernant la paire, comme je disais, c'est un mélange entre nubuck et cuir. Faut grave faire attention à une paire comme ça, parce que faut grave bien l'entretenir. Je sais pas avec quoi vous lavez vos chaussures. Et vous allez voir que y a deux swoosh brodés en blanc. Et lui brodé l'extérieur blanc, intérieur rose, deux de chaque côté. Le branding brodé aussi Nike blanc sur la languette. Il y a aussi une languette externe. Et vous avez vu là, je sais pas c'est quelle matière ça. Je crois que c'est... Je sais pas. Et il y a un petit swoosh devant, regardez. Tout devant là. Là-dessus. Non, en vrai j'aime bien, franchement je l'aime bien. J'aime bien. Elle est sortie en plusieurs coloris. Il y avait la blanche, il y a la noire aussi avec le petit vert derrière et tout. Et il y a aussi celle, je me rappelle plus laquelle, quel nom. Mais en tout cas, je vous la mettrai juste. Du coup, je disais, quand je l'ai vue, franchement, j'ai pas hésité parce que le petit rose bonbon, ça m'a grave attiré. Et c'est une belle chaussure qui se rajoute à ma collection et je suis très très contente. Concernant l'entretien, moi ce que je vous conseille de prendre, c'est de prendre la marque numéro 1, Prep Protect. Vous achetez le kit et aussi vous pouvez acheter le kit pour nettoyer vos chaussures. Tant je ferai une vidéo un jour pour vous montrer comment j'entretiens les miens. Et utilisez aussi le spray, le spray qui va vous permettre, allez je vais le faire. Non je vais pas le faire parce que ça me fera une vidéo. Le français est très très dur. Et ça vous permettra d'entretenir votre chaussure et surtout de la garder au plus longtemps. J'ai aussi franchement chopé ces deux paires, je vais les faire en même temps parce que je les ai aussi prises en Allemagne. Et c'est des Puma. Et je les ai prises, au même prix que les claquettes Fenty by Rihanna. Je les ai chopées à 20€. Franchement je suis pas trop Puma, je l'ai déjà dit. Mais quand je les ai vues les plateformes, en plus là comme je suis en stage, donc je dois quand même m'habiller assez professionnellement, je me suis dit les petites Puma là, ça passait quoi. Et je les ai prises en blanche. En fait c'est pas un blanc, c'est un blanc cassé en fait. C'est un beige, je vais vous montrer. Mais je vous dis, dès que j'ai acheté la paire, je l'ai protégée direct, cash. Oui. Ouais. Oui oui t'inquiète Kuna, on ira de toute façon. Donc, du coup je disais, c'est les Puma Suède en plateforme. Et je les ai prises en beige. Et franchement elles sont magnifiques, c'est les vraies. Je vous montre hein. Je les ai portées, mais bon, vous voyez quand même que c'est les vrais. Franchement, est-ce que c'est une boutique de déstock? Non, ça l'était pas. C'était une boutique normale de Puma. Mais peut-être qu'en Allemagne, c'est pas les mêmes prix, je sais pas. Peut-être que quelqu'un en commentaire pourra nous l'expliquer. Voilà, et je l'ai prise malheureusement en 35,5. Je me suis trompée de taille. Elle me sert très très fort. D'ailleurs, si vous voulez que je vous la vende ou vous l'offre, dites-moi en commentaire, je vous la donnerai. Voilà, je l'ai prise en 35,5 sur la foulée parce que j'ai vu 20€, je me suis affolée. Je l'ai prise, mais voilà, c'est pas ma taille idéale. Et j'ai aussi pris, du coup, forcément, la marron. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont avoir le seum parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont acheté et qui vont se dire, waouh, sérieux, moi je l'ai payé 90€. Et ben c'est la vie, que veux-tu que je te dise? C'est la vie, oh. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Donc la Puma Suède, c'est la même, hein, c'est Puma Suède, mais cette fois-ci en coloris marron avec la petite gomme. Franchement, le cuir, faut vraiment faire attention parce qu'il se salit très très facilement. Et des fois, tu te fais des taches très très facilement et c'est compliqué de nettoyer. Donc je vous conseille d'utiliser aussi pour la Puma le Crêpe Protect, ça nettoie hyper bien. N'utilisez pas du génie. Avant, je faisais cette erreur, hein. Je fais la meuf et tout, mais avant quand j'avais pas les moyens de m'acheter du crêpe, j'utilisais du génie, donc voilà. La gomme, normalement c'est une paire qui tient, et en plus quand tu es petite de taille, c'est quand même une paire qui t'aide à prendre quelques centimètres. Je vais rallumer le ventilateur, tant ça fera du bruit dans la vidéo, mais bon, excusez-moi si ça fait du bruit. J'ai chaud quand même. Je disais, c'est quand même une belle paire, et cette fois-ci je l'ai prise en 37, elle taille assez grande. Enfin, elle taille grande pour quelqu'un qui chose du 38, mieux vaut prendre en tout cas la plateforme. Hein, elle taille pour moi, elle taille grande parce qu'un 36 ça m'irait parfaitement. Donc voilà, je conseille aussi de prendre une taille en dessous et de bien faire attention lorsque vous investissez dans une paire de chaussures parce que plein de fois on prend des chaussures mais on prend pas le temps malheureusement de les entretenir. On se dit ouais, c'est bon, je vais en racheter une autre, mais bon, aujourd'hui si tu investis dans une paire de chaussures.
Mais bon, aujourd'hui, si tu choisis d'investir dans une paire de chaussures, ben, rajoute 20 euros de plus et achète quelque chose pour les entretenir. Ça fera du bien à ta paire. Je dis ça, mais c'est pas tout le temps, c'est pas non plus tout le temps que j'entretiens mes paires de chaussures. Voilà, mais en tout cas, mes paires sont presque nickel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des paires que je vous ai présentées. Si vous aussi, vous avez acheté de nouvelles chaussures, dites-le moi. Peut-être que je vais m'inspirer de vous. Pourquoi pas, moi j'aime bien m'inspirer des gens. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas vraiment, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, t'es averti quand je mets une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Buvez du thé ou mangez des mangues. Je vais grave avoir le seum si je me rends compte à la fin que le bruit du ventilateur là, ça vous a empêché d'entendre. Mais bon, j'espère pas.